Salut à tous, c'est Lindeday et on se retrouve sur Academia School Simulator. Donc pour petit rappel, on avait commencé à créer notre école, donc on a le bureau du comptable ici, les toilettes pour femmes, les toilettes pour hommes ici, le bureau du principal qui est au milieu, comme ça s'il y a un besoin on peut toujours l'envoyer, les étudiants là-dedans. On a la salle de première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, donc je sais pas pourquoi la salle de troisième année est beaucoup plus grande que les autres. Alors qu'il y a l'air d'avoir moins de monde, mais c'est pas grave, on essaie de les chouchouter un petit peu. Donc là ils vont rentrer, ça y est, ils rentrent enfin en cours. On a notre prof qui est là, c'est ça, c'est Andreas, personnel de pompier. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah, c'est un enseignant, voilà, ok. Ouais, donc il nous faudrait quelqu'un pour... Donc là ils vont au cours, ils vont alterner. Le seul truc c'est qu'il nous faudrait... ouais, il nous faut quelqu'un là pour... c'est obligatoire, personnel, il nous faut un concierge. Parce que là j'ai l'impression que j'en ai mis deux déjà, trois. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment suffisant. Alors on va mettre un autre concierge, ça c'est fait. Voilà, à 2, à 3, ils sont 4 je crois même avec le gars du bas là. Ouais c'est un concierge, on va à 4. Pour 4 salles je pense que ça va le faire quand même les gars. Il y a des limites quand même. Alors au niveau de la recherche, on était sur une recherche génétiste de base. Ouais pourquoi pas, ou alors on peut faire maîtrise de la vaisselle. Allez c'est parti, maîtrise de la vaisselle. Ouais, donc j'aimerais bien faire une grosse... Ah oui, donc c'est vrai, on avait oublié qu'on avait fait notre salle commune ici, en mode Harry Potter. Alors c'est pareil, il y a un mode, enfin un mode, façon de parler, mais... vous avez les uniformes d'Harry Potter pour les fans, donc vous pouvez faire votre votre école en mode Poudlard, quoi. Donc ça peut être fun aussi, avec des différentes classes, parce que sur la 13e année, vous pouvez mettre, je sais pas, Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, etc. Donc ça peut être marrant. J'aimerais bien faire une grande salle ici, je pense, une belle salle pour, je pense, pour tout ce qui est cantine. Histoire que les gens puissent manger. Quoi, je me demande si c'est pas déjà ce que je suis en train de faire. C'était quoi déjà cette salle? On va regarder. Je crois que c'est une salle commune ici. Hein. Voilà, ils vont pouvoir bosser tranquillou. Heureusement que j'ai dû, heureusement que j'ai l'ouvrir, hein, parce que sinon, ce serait tellement galère. Les restes, recherche disponible, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme recherche? Surveiller l'itinéraire. Ah, conseil. Les élèves délinquants ont besoin d'un conseiller pour les expliquer. En gros, pour être d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. L'eau est une ressource précieuse, alors assurez-vous que tout le monde le sait. Ok. Ça diminue 20% du coût en eau tous les objets. Rassemblement d'électricité, les poubelles. Ouais, donc je vais mettre, je pense... alors, il me reste combien? Il me reste 9000 et quelques. On va mettre, je pense, l'itinéraire. Comme ça, on va pouvoir créer un itinéraire pour les surveillants. Au moins, on sera sûr qu'il n'y aura pas d'enfants violentés à l'école. Donc ça, c'est cool. Donc là, c'est la salle commune, hein, je crois que c'est ça. Donc elle va être finalisée au bon moment. Donc à moins que ce soit une salle de repos, je sais plus, je crois que c'était une salle de repos, je sais plus, faudrait qu'on voit. Je me souviens plus vraiment de ce que j'avais fait. Ok, donc ça c'est bon. Et c'est donc quoi comme salle? Alors attends, je vais regarder dans zone. Admin, salle de classe, nutrition. Ah bah je peux faire enfin la cafétéria, je vais la faire la cafette. Je vais la faire, donc je vais faire genre une grosse cafétéria qui va partir je pense de genre de là. Tac, cafétéria, je pense que c'est pas mal. Avec une zone de cuisine juste à côté. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. Comme ça, ils vont pouvoir cuisiner et après directement emmener ça à la cafette. Alors, on va commencer déjà à mettre les objets. Hein. Comme ça, on sera peinard. Quoique, non, on va peut-être faire les murs d'abord. On fait les murs. Alors, murs. Murs de... en béton... Ah bah non, bah j'aurais dû m'occuper. Bah attends, on va même faire plus facile. Faire ça. Ça. La cafette avec deux portes. Ça me paraît pas mal. On va grimper comme ça. Je pense que ça va faire un truc comme ça. Là il nous faudrait pourquoi pas des murs. Tac. Et une double porte. Je pense que c'est pas mal. Le seul truc c'est qu'il va falloir qu'on augmente un petit peu la zone. Donc toi, je vais te supprimer. Et je vais faire une zone un peu plus grande. Donc on va faire une zone de cuisine. Alors ces zones, tous. Cafétéria, on a dit que c'était là. Et là je crois qu'il faut. Ouais voilà, c'est ça, faut que ça cuisine. Donc tac, ici. Je pense que déjà, ça sera déjà beaucoup mieux. On va mettre des doubles portes. Donc tac, on va le faire tout de suite. Alors, construire. Objet. Alors, c'est dans... Voilà, des portes. Je voudrais une double porte ici. Tac. Et une double porte là. Alors, c'est R pour faire pivoter des objets. Voilà, une double porte. Je pense que c'est déjà, ça va être pas mal. Maintenant, il nous faut un sol. Je vois un carrelage de cuisine ici, forcément dans une cuisine. Ça me semble logique. Et ici, je voudrais un carrelage classique, qui ressemble à ça, on va dire. Voilà, je pense que déjà, ça va être beaucoup mieux. C'est fait là, le sol, hein. Voilà. Donc là, on n'est plus qu'à 1000 $. Il va falloir qu'on fasse gaffe, alors. En objet. Alors, objet...
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, revenus 4 800 et dépenses 6 000. Ouais, non, déjà, on est un peu dans le rouge. Faut qu'on fasse gaffe au niveau de l'argent. Donc, on va déjà essayer de gérer peut-être un prêt, peut-être pour comment. Ouais, non, on va voir déjà. On va voir. On va déjà voir. Donc là, c'est bon. Ensuite, ici, il nous faut quoi? Il nous faut. Alors, on va aller dans cafétéria. Il faut donc une table de cantine. Alors, table de cantine, ça vaut 150. On va essayer d'en faire genre plein comme ça. Tac, je pense que c'est pas mal. Voilà. Attention, vos revenus sont faibles. Je sais. Vos fonds sont faibles, je sais. Avec ça, il nous faut des bancs de cantine, j'imagine. Voilà. Tac. J'en veux aussi pas mal. J'en veux quelques-uns. Pour l'instant, ça va déjà être pas mal. Ok, donc là, on va pas avoir assez pour le reste. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'on fasse un prêt, c'est obligatoire. Je vais emprunter 10 000, je pense. C'est pas mal. Ok, donc maintenant qu'on a ça, ça devrait être bon. Ensuite, il me faut des comptoirs alimentaires. Comptoir alimentaire, on va dire que ça va se trouver ici. Ensuite, il faut des chariots de débarrassage. Alors, chariots de débarrassage, on va en mettre de là. Je pense que c'est pas mal. Et ensuite, il nous faut bande cantine x2, donc ça c'est fait. Il faut que ce soit à l'intérieur. Bah écoute, pour l'instant c'est fait. Au niveau de la cuisine, ça donne quoi maintenant? Alors, on va aller ici, cuisine. Qu'est-ce que ça donne? Donc, il te faut un réfrigérateur. On va le mettre ici. On en met deux, voilà, au moins ce sera peinard. Ici il te faut donc une cuisinière. Cuisinière, on va en mettre pareil deux aussi, je pense ça va déjà être pas mal aussi. Tac. Par contre ça augmente aux dépenses, ça fait un peu peur. Et il te faut un évier de cuisine. On va en mettre deux pareil. Ah quoi que ça prend de la place, bon c'est pas grave, on va en mettre deux. Voilà. Et voilà, là normalement on a ce qu'il faut. Donc là on va avoir une belle cuisine, on va tout avoir. Par contre il faut que j'augmente mes revenus. Et ça me fait un petit peu peur quand même. Parce que là je suis à moins 2000 par jour, ce qui est énorme. Bon déjà on va voir ce que ça donne. Ouais, on va voir ce que ça donne. Alors on a bonus de transfert plus 15 000. On a prêt bancaire plus 10 000. Ouais, buisson plus 130. Des buissons nous donnent de l'argent. Fait trésorerie moins 700, concierge moins 1800, ou alors je vais virer du concierge. Je suis désolé les gars, mais je pense que j'ai trop de concierges. Alors où est-ce que vous êtes les gars déjà? Bah c'est pour ça, regarde le monde déjà que j'ai en trop. Toi t'es une ancienne, d'accord. Toi par contre je te licencie. Ah t'es un éducateur, ok. Toi t'es un concierge, concierge, concierge et concierge. Alors déjà, oui je vais te virer. Je te licencie, toi pareil je te vire. Deux concierges, je pense que ce sera déjà pas mal. Éducateur, et toi t'es un éducateur aussi, bah on en vire un. Ok, déjà on est à moins 1700, c'est déjà un peu mieux. Au niveau des dépenses, déjà c'est mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter de l'argent aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un peu plus d'argent? J'aurais dû embaucher des profs moins bons, qui me coûtent moins cher, je pense, mais bon c'est pas grave. Construire une salle commune. Mais c'était ça la salle commune. Ah oui d'accord, c'est vrai, parce que j'avais oublié que les tâches nous faisaient gagner de l'argent. Mais oui, j'avais oublié. Bonus d'achèvement, d'accord. Une salle commune, mais attends. Alors c'est dans... Peut-être zone. Salle commune, mais voilà, la salle commune, on va la mettre ici. Parfait. Voilà, là c'est la salle commune maintenant. Donc ça c'est fait, on a gagné 2000 en subvention, donc ça c'est parfait. Ensuite, salle de détention, qu'est-ce que c'est que ça? Les élèves délinquants ont besoin d'une salle. Ah oui, ça on va pas avoir besoin. Terrain de sport, non. Infirmerie, non. Besoin nutritionnel, cafétéria, cuisine. Eh ben on va l'avoir ça, parfait, on le fait. Il faut qu'on embauche deux cuisiniers du coup. Ah oui, j'avais pas pensé aux cuisiniers. Ça la fout un peu mal. On va en embaucher deux, écoute, j'ai pas le choix, voilà. Je pense que c'est pas mal déjà. On a tout mis par deux, donc ça devrait être bon. On les laisse construire, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire là, tac. On devrait encore choper des petites subventions. J'avais pas pensé à ça. Je vais essayer de... je vais tout payer. Voilà, je paye mon prêt, comme ça au moins je suis plus endetté. Donc ça c'est fait. Ok, donc là, on est en train de construire tranquillou. Donc la cuisine est en train de se faire. Alors je sais pas si vous avez des idées ou quoi pour améliorer l'école, dites-le moi. J'avoue que j'avais pas beaucoup d'idées. Donc construire, on va essayer de voir s'il n'y a pas un sol. Tuile de béton, je pense que c'est ça, c'est tuile de béton, ça je pense. Et on va faire un truc comme ça. Comme ça. Je pense directement. Voilà, je pense que c'est pas mal et on va mettre ça là. Voilà, comme ça ils pourront se promener, marcher, etc. Ça va être cool. Là je pense que déjà ça va être beaucoup mieux.
Je pense que c'est déjà beaucoup mieux, ouais. La cuisine est en train de se finaliser, la cafétéria aussi. Bon, t'es gaffe, faut mettre le sol. J'ai pas mis de sol dans la cafette. Construire sol. Carrelage. Ah voilà, je pense que j'avais pas assez d'argent, c'est pour ça aussi. Je pense que j'avais pas assez d'argent et que ça passait pas. Ok, donc là c'est bon, on a encore une nouvelle subvention, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? Boire de l'eau. Salle des professeurs. Rechercher le bien-être des employés, construire salle des professeurs. Ok, boire de l'eau. Place fontaine à eau. Bah pas de problème, je vais en mettre des fontaines à eau. Lieu fontaine à eau, alors attends. Objet. Ou même faire une piscine. Fontaine à eau, je vais en mettre. Une là, je pense, c'est pas mal. Tac. Une là, s'ils ont besoin. Et à côté des toilettes. Bah, il y en a déjà une là, ok, je vais en mettre une ici. Tac, pour les toilettes des femmes. Et là, je sais plus ce que c'est comme salle, donc on va le mettre. On va le mettre à côté. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors par contre, c'est quoi comme salle déjà ici? J'avais complètement oublié. Ok, c'est quoi ça comme salle? Justement, c'est pas salle des professeurs ça? Salle de classe, admin. Salle commune, non. Cafétéria. Bureau, cuisine, toilette, toilette mixte, non. Local à déchets. Salle commune, bah pour l'instant on n'a rien débloqué, donc je sais pas ce que c'est que cette zone, mais tant pis, on verra. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Si vous savez, dites-le moi hein, dans les commentaires. D'accord, donc ici ils ont des distributeurs automatiques. Ah, c'était peut-être la salle des professeurs ici, et là la salle commune. Ah, je me souviens plus. Déjà, je vais faire les recherches. Alors, magasin d'usine. Non, bah là, j'ai pas d'argent. Conception de l'école. Donner des caractères. D'accord. Non, peut-être pas non plus. Trouver plus d'enseignants dans le bouton d'embauche. Non, priorité du travailleur non plus. Je sais pas quoi faire là, par contre. Ça devient un peu chiant. Ça, on est commencé à le rechercher, je crois. Enfin, peut-être que par manque de fonds, ça a arrêté. De toute façon, j'ai pas d'argent, donc on va arrêter au niveau des recherches. Je pense que c'est déjà pas mal. Ils ont du boulot. Hein. Les pauvres, ils mangent là. Ils ont même pas de sol, les types. Ils mangent n'importe comment, les pauvres. Ah oui, d'accord, c'est l'heure de manger. Donc là, tout le monde mange, très bien. J'augmente un peu la distance. Pipi dans le buisson. Demande à l'étudiant de faire... Non mais j'ai pas demandé à l'étudiant de faire pipi dans un buisson, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai jamais demandé à l'étudiant de faire pipi dans un buisson, c'est quoi ce délire? La première année, eux, ils sont... Voilà, ils se sont bien débrouillés. Hein. Ça c'est bon. Il me faut des éducateurs là, faut qu'ils fassent leur taf parce qu'il y a des mecs qui font pipi dans le buisson. Et à un moment, il va bien être gentil, mais... Donc là, elle fait son petit pissou, elle se lave les mains. Elle a la dalle, c'est ça, mais meuf, il est 2h d'après-midi, 2h30. Ah, y en a qui n'ont pas pu avoir à manger. Ah, peut-être pas assez de table. Ou peut-être pas assez de cuisinier non plus, du coup. J'ai rajouté des tables au cas où. Alors, on va aller... Objet. Salle des professeurs. Ah oui, c'est désinfectant pour... Ah, mais ça, c'était une salle des professeurs, du coup. Là, la salle commune, et là, la salle des professeurs. Mais oui, alors attends. On va supprimer la zone. Ok. Là, par contre, on va faire une nouvelle zone. Salle commune. Non, c'est pas dans salle de... Tous, on est dans tous, c'est pas grave. Salle commune était là. Voilà. Ah, par contre, il faut des tables et des chaises. Je vais en rajouter. Ça, c'est la salle des professeurs. Ok. Donc, pas de problème. Alors, salle commune. Tu m'as dit qu'il te fallait des tables et des chaises. Il faut combien de tables? 4. Ah oui, non, mais ça va être trop petit là. 2. Ah non, il faut 4 chaises. Ah bah c'est parfait là. Pile poil ce qu'il faut. Et on va prendre du coup des chaises. Désinfectant pour les mains, on va en mettre un là, voilà, à côté. Et encore, ça ne veut pas se déplacer. Ah si, ça y est. On va en mettre un là. Je pense que c'est pas mal. Et maintenant il nous faut des chaises. Alors déjà il nous faut des tables aussi. Alors, je vais dans le cafétéria.
Oui, cafétéria, salon du staff, non. Ah bah déjà on va mettre les chaises là. Au moins ce sera fait. Tac. Et tac, là au moins c'est fait, c'est peinard. Par contre, il nous faut quand même, je reviens dessus, hein, je sais que je suis un peu chiant, mais je reviens dessus. Dans cafétéria, donc c'est plus haut. Je veux peut-être plus de tables. Ouais, je pense qu'il nous faut plus de tables de cantine. On va en mettre une peut-être là. Voilà, une de plus. Avec un banc. Le deuxième qui est là. Et je pourrais même faire une autre table de cantine qu'on va mettre ici, je pense. Voilà. On pourrait même faire une deuxième rangée là s'il faut. Tac, avec. Pareil, d'autres bancs. Là, franchement, on pourra pas dire. Hein. Je pense à leur bonheur. Je pense à leur bon plaisir. Tac et tac. Là, franchement, je pense que là, on est grave bon. Donc, je vais arrêter. Je vais arrêter là. Je pense qu'on est hyper bon. Donc là, les ouvriers vont avoir beaucoup de boulot. Hein. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup de taf. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ils sont où d'ailleurs, mes ouvriers? Parce que là, ah, ils sont là. Ils sont repartis. Allez, les gars. Je vais augmenter un peu la vitesse. Au final, je me dis que le sol était peut-être pas obligatoire partout. Parce que je me rends compte qu'ils ont quand même utilisé la salle sans sol. Donc, je me dis qu'au final, bon, c'est quand même plus joli. Donc, autant le faire. Mais ils mangent tout le temps les mecs. Ils mangent constamment quoi. Bon c'est pas grave. Construisez-moi tout ça au plus vite. Alors je ferais bien du Prison Architect aussi. J'ai peut-être même lancé une série sur Moonlighter. C'est un abonné qui m'a dit que le jeu avait été gratuit pour la semaine. Donc je vous conseille d'aller le prendre. Sachant qu'il bah, vous risquez rien puisqu'il est complètement gratuit. Donc autant se faire plaisir. Oh là là, ça les arrête de bosser. Non mais les gars, vous abusez. Bon c'est pas grave. Vous auriez pu faire ça au moins. Quand même, avant de partir là, c'est pas grave. Les pauvres, je les plains un petit peu d'avoir de bosser avec un type comme moi. Alors, tâche, boire de l'eau, mais ça c'est pas, ça va se faire assez rapidement, je pense. Ok les gars, donc pas de problème, foncez. Il y a tous mes étudiants qui arrivent. Je me dis j'aurais peut-être dû en fait en prendre plus d'étudiants. Quoi, je suis déjà à 40 sur 40, donc enfin 40, je pense que c'est déjà pas mal. Ah, oh, pas mal, votre gouvernement. Alors, votre école a manqué d'argent. Heureusement, le gouvernement local vous accorde un prêt de 10 000 dollars. Parfait! Donc, ouais, il va falloir que je rentre de l'argent. Hein. Ça, c'est un truc de ouf. Marge brute quotidien, moi 2000. Un étudiant confesse leur amour. Où ça? Oh! C'est beau! Confesser mon amour. Oh, quelqu'un va avouer. Regardez les étudiants, et ça y est, ils tombent amoureux. Un homme et une femme, c'est ça? Waouh, ça y est. Magnifique ça. Donc ça y est, on a notre premier couple dans l'école. Alors prêt. Ouais, je pourrais emprunter de l'argent, mais ça va être compliqué. Prêt d'urgence 10 000, ouais. Mais le problème, c'est comment je peux faire. Revenu 4 800, rien, d'accord. Mais ça me coûte trop cher. Qu'est-ce qui me coûte le plus cher? 1 000 d'ouvriers, 2 700 d'enseignants. Charge haut 1 000. Le principal 550, 200, le comptable, cuisinier, je pense, ouais, j'essaie de virer des ouvriers un peu plus tard aussi, je pense. C'est con, là j'en ai trop besoin, mais je pense que j'essaie d'en virer. Là je vais attendre qu'ils fassent leur taf et après je les tège. Au moins 2, je pense, voire 3. Mais ça prend plus de temps, tant pis, je suis pas dans l'urgence. Enfin si, je suis dans l'urgence, mais financière. Donc bon. Ok, donc là c'est bon. J'ai pas eu ma... Ah si voilà, j'ai dû avoir mon... Ok. Encore un nouveau couple, bah, dis donc, mais c'est pas le Vésodrome chez moi là. Attends, c'est quoi ce délire? Alors, salle des professeurs, ça devrait arriver. Il faut que je fasse la recherche bien-être des employés. Donc je vais la faire, puisque j'ai déjà la salle des professeurs qui est là, donc il faut juste que je fasse la recherche. Alors, dis-moi... Bah non, j'ai déjà clôturé, c'est ça? Ah bah ouais. C'est 3 000 à l'aller, 3 000 au retour, donc parfait. Construire ça des professeurs, on l'a là. Il nous faut juste le bien-être des employés, je pense, en recherche. Zone. Alors ouais, je vais aller dans un étudiant confesseur amour encore, en plein cours, et les gars, ah non, c'est dans la salle commune. Bon, qui est toute petite, mais c'est une salle commune quand même. Par contre, les profs, ils ont des grandes salles bien à l'aise. J'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Alors, recherche. Banque de connaissances, Pistoval, non, c'est pas par là, c'est où bien-être?
Santé, richesse, architecture paysagiste, décision plus rapide. Et bien-être des employés, c'est là? Ah ouais, faut que je fasse beaucoup de recherches du coup, ça et ça quoi. Ah ouais, ça me coûtait 4000. Bon bah écoute, pas, on va le faire. Au moins, c'est partie du truc, on va le faire. On va s'obliger clairement à le faire même. Alors c'est dans zone... Ah oui d'accord, j'ai pas pu faire encore, je pense, salle des professeurs. J'ai pas pu mettre la zone, si. Bureau, bah non, j'ai... Ah, salle des professeurs, j'ai pas la zone, c'est pour ça. Ok, je comprends mieux. Ok, donc là... Ah là, je pense qu'ils sont... Ça marche plutôt bien, notre école marche plutôt bien, hein. Faut juste qu'on arrive à diminuer un peu les coûts, donc je vais virer. Toi, t'es viré. Je suis désolé, mon pote, mais tu me coûtes trop cher. Je te vire aussi. Toi, je te vire aussi. Donc là, j'ai réussi à diminuer un peu les coûts. Malgré tout, je suis toujours en galère. Il faut peut-être que je trouve des étudiants moins bons, mais qui me coûtent moins cher, je pense. Enfin, pas des étudiants, mais des enseignants, pardon. Alors, je vais aller voir. Je vais aller voir ce qui se passe dans mes enseignants, parce que là, pour moi, il y a un pépin quelque part. Je vais attendre peut-être la fin de l'année avant de les virer, parce que là... Ouais, voilà. On est déjà... Dernier jour de l'année scolaire, en jour 9, on est déjà au jour 2. Donc, je vais attendre la dernière... Ouais, le dernier jour. En attendant, je vais faire des recherches et des missions pour avoir des subventions. Ah, parfait. Et là, maintenant, je vais faire le bien-être des employés. Voilà. Et là, c'est bon. Alors, enseignant, je voudrais quand même regarder. Prof de maths, il me coûte combien, prof de maths? Prof de maths, 433. Lui, 466. 420. Ouh, c'est lui, le prof d'art, là, qui me coûte très cher, le prof d'art, là. Du coup, je vais te licencier. Je te licencie. Attends, j'ai regardé s'il n'y a pas un autre prof d'art déjà qui coûte pas cher. Art 48, mais il coûte 444. Ah mais attends, il y a le coût pour l'embaucher aussi. Non, je vais rester comme ça parce que plus de 4000 et quelques, je suis pas sûr que ce soit rentable finalement. Pour gagner 200$ par mois, si je claque 4400 plus le salaire, au final je serai pas du tout rentable. Donc j'attends la fin d'année, je pense déjà. On verra peut-être, on y verra peut-être plus clair. Au moins, ils seront bons en art, ces cons-là. Donc ça, c'est bon. Moi j'ai diminué un petit peu les coûts, c'est déjà pas mal je pense. Alors, ensuite c'est quoi? Santé scolaire. Rechercher santé, construire une infirmerie. Est-ce que je peux déjà construire une infirmerie? Zone. Infirmerie, je l'ai pas encore. Je peux déjà par contre commencer à appréhender l'idée d'une infirmerie. À côté des toilettes pour hommes. On va essayer de faire ça, une infirmerie là. Je pense que ça peut être pas mal. Alors hop, prolonge, on prolonge, on prolonge, on prolonge. Tac, tac. Juste une petite porte là. On va mettre un sol. J'ai pas d'autre sol, il faudrait vraiment que je me trouve d'autre sol. Ah si, herbe, sol pavé. Sol en marbre, et eh ben écoute, un beau sol en marbre. Voilà, on va dire que c'est pas mal. Ça me coûte 800 juste pour le sol. J'avais pas vu qu'il y en avait plein en bas, mais oui, j'avais pas vu. Plancher bois, bah ouais, ça aurait été plus joli de faire un plancher bois, quoi. Bah tant pis, c'est pas grave, on va dire que c'est bon. De toute façon, j'ai pas repayé, hein. J'avais pas assez d'argent pour me faire plaisir. Alors des portes, on va en mettre une là. Tac. Je pense qu'on... Franchement, je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon. Et on verra ce qu'il faudra pour l'infirmerie. Déjà, on va déjà commencer à faire une petite salle. Comme on a que deux ouvriers, je le rappelle maintenant. Parce qu'on en a viré de 3 sur les 5. Autant y aller doucement. Alors, le bien-être des employés, on est en train de le faire. Dans 4 heures, ça sera fini. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se tirent? Ah, faut qu'ils aillent faire pipi, ok. Par contre, mais attends, tu vas dans les toilettes des femmes? Ah, t'es peut-être une ouvrière du coup, peut-être. Brian, à mon avis, Brian, t'as un mec, hein. C'est pas terrible d'aller dans les toilettes des femmes, hein. Je te le dis gentiment, mais là, tu pourrais... ça peut être mal vu, hein. Honnêtement, hein. Moi, je viens être gentil. En plus, t'as les toilettes pour hommes qui sont là. Tu viens ici, tu fais pipi, tu repars. Non, il descend tout en bas, ça. T'es un peu spécial, toi, mais bon, c'est pas grave. Sacré Brian. Donc, voilà, parfait. Hop, on va les faire dans zone... Salle des professeurs, maintenant là. Hop. Et hop là. Et là il faut... Ah d'accord. Il faut une cafetière, un cadre. Il y a plein de trucs que j'ai pas du coup. Objet. Salle informatique. Non, salle des professeurs. Il te faut quoi? Il te faut une télé. Télé, on va la mettre ici. Voilà, comme ça, ils pourront la regarder en mangeant. Ensuite, il te faut quoi mon pote? Il te faut une cafetière. Un canapé. Le canapé, on va le mettre ici. Il te faut une cafetière. La cafetière, on va te la mettre là. Voilà.
Un four à micro-ondes, bah, pour qu'il puisse manger. Un désinfectant à main, déjà deux, ok. Four à micro-ondes, je vais te mettre à côté du canapé. J'en mets deux. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Je pense que c'est bon. Notre salle des professeurs va être ici, je pense. Donc ça va être parfait, on va choper 3 000 $ en finalisant ça. Ah voilà, parfait, on vient de choper 3 000 $, donc ça c'est cool. Ensuite, salle de détention, non, salon du personnel. Ouais, écoute, s'il faut qu'on te fasse un... Alors, votre personnel mérite d'avoir sa propre pièce pour se détendre. D'accord. Déjà, on va faire une nouvelle pièce, du coup. Alors, ça m'embête à ça, ça sera l'infirmerie. Ou alors, on la met là. Maintenant, l'infirmerie, on va la mettre... Bah, peut-être par là, limite à l'entrée, comme ça, hop, ils sortent des classes, ils sont malades, ils vont direct à l'infirmerie, et ça sera la salle du personnel. On va faire ça comme ça, même. Je pense que c'est pas mal. Alors, du coup, salon du staff, c'est là. Hop là, il te faut quoi? Un canapé, des tables, des chaises et une cafetière. Pas de problème, écoute, ça marche pour moi. Bibliothèque, classe musique, non, j'ai pas encore j'ai pas encore d'argent pour la bibliothèque, etc. Vous allez un peu vite. Canapé, on va la poser là. Il nous faut une chaise. Alors des tables et une chaise. On va la mettre là, tac. Hop, les chaises, c'est bon. Et voilà, là on est bon, je pense. C'est une toute petite salle, mais voilà, au moins ils pourront se détendre. Ils auront 4 chaises, un canapé, ils auront tout ce qu'il faut. Une cafetière, en plus ils ont un café, donc... Tout va bien, je pense. Tout va bien. Donc la salle des profs est bonne. J'aurais peut-être dû diviser en deux la zone, quand j'y repense. Bon, c'est pas grave. C'est pas un souci. Un cafétéria, là on est bon, c'est bon partout, je suis assez content de nous. Là je suis fier de nous, honnêtement, je vais pas te mentir. Je pense être fier de nous. Alors, au cas où, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse comme recherche? Parce que je sens que je vais avoir besoin de faire des recherches. Rechercher génétique suédoise, je m'en doutais un petit peu. Génétique suédoise, je crois que c'est... Là, 1 000 $ par heure. Enfin, 1 000 $. Pas de problème, 1 000 $, on va le prendre. C'est pas un souci. Donc, allez les gars. Où sont mes ouvriers là? J'en ai plus que deux, donc ils sont en galère, mais de ouf. Les pauvres. Il y a quand même pas mal de profs, hein. Encore, mais ça, il y a que des couples qui se créent. Encore, maintenant, tu te fous de ma gueule là. Il y a que ça, des couples. Eh les gars, c'est pas fait pour, voilà, hein. Merde aussi là. Pardon, je suis un peu énervé. Excusez-moi. Faut que je construise un gymnase. Mais j'ai pas de place. Il y a un moment, il faut arrêter, me faire construire des trucs et des machins. J'ai plus de place, moi. Bon, c'est pas grave. Salle de sport. Toilette du personnel. Il faut des toilettes en plus juste pour le personnel. Ah ouais, bah il s'évitera que l'ouvrier vienne faire pipi chez dans les toilettes des filles, quoi. Ça peut être pas mal. Alors, construire un gymnase. Alors, dis-moi tout pour gymnase. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, gymnase. Gymnase, ça serait là, ok. Le gymnase, je vais le mettre ici. Et l'infirmerie... Où est-ce que j'ai foutu l'infirmerie, moi? C'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. C'est que je sais pas où je vais mettre l'infirmerie, quoi. Ouais, bah écoute, tant pis, infirmier, je la mettrai par là. Le gymnase, je vais le mettre ici, je pense. Ce sera un tout petit gymnase. Hein. Ok. Ça se passe comment? C'est juste ça qu'il faut faire, attends. Construire objet. Oui, y a pas gymnase. C'est dans les G, je suis bête, ouais. Bah écoute, j'ai pas l'impression qu'il y a gymnase là-dedans. C'est-à-dire que quoi? Faut juste une zone, c'est tout? Je comprends pas trop là. Ouais, pré-ensemble partait. Ah bah c'est ça en fait, faut juste une zone. Oh bah non, c'est con, si je suis la zone, j'aurais mise là. Pas aussi grande quoi, là j'aurais mis infirmerie ici. Ok, c'est pas grave, on va dégager la zone. S'il fallait juste une zone, fallait le dire tout de suite. Alors je vais supprimer la zone qui est là. Hop, et on va mettre une nouvelle zone. Gymnase, on va la mettre ici à côté du service de livraison. Voilà, vous allez vous entraîner, c'est déjà pas mal. Voilà, maintenant gymnase, c'est là. Donc là, ils sont restés sur l'ancienne, je crois. Les nouveaux vont venir là. Les pauvres, ils sont entassés comme des animaux. C'est pas grave. Voilà, ça vous fait faire un peu de sport, vous êtes contents comme tout, les gars. Alors, toilette du personnel. Non, horizon, on est un, d'accord. Rechercher banque de connaissances, construire une bibliothèque. Ça peut styler, une bibliothèque. Banque de connaissances, ça coûte combien? 4 000 en recherche, ouais, c'est énorme, mais bon, tant pis. On va faire une bibliothèque, je pense, ça peut être pas mal. Une fois que j'aurai fait la recherche, qu'est-ce qu'il faut, du coup? Tâche.
Construire bibliothèque, ouais. Ok, bah ça je pense qu'il faudra que je fasse ça après la recherche. Par contre, je peux déjà préparer autre chose. Et oui. Rechercher de pistoval, construire pistoval, ok. Santé scolaire. Construire infirmerie, embaucher deux infirmières. Ça me fait encore des dépenses là. Non, 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 ça va être compliqué. Attribuer une salle de classe en tant que salle de détention. C'est un peu tendu ça, mon pote. En fait, c'est une salle de colle, quoi. Ok, donc je vais faire une salle de... Alors, salle de classe. Je verrai un peu plus tard ça pour la salle de classe parce que je me vois mal. Je me sens mal de mettre déjà. Ou encore. Ça n'arrête pas. C'est Philiberto avec Philiberto et Lance. Lance. Ce serait pas notre premier couple gay? Bah si. Notre premier couple gay. C'est parfait. Comme quoi. Très très confortable. Intestin plus 10. Ouais, donc il a fait son petit popo, il a fait son pipi, il est content. Ça c'est plutôt cool. Donc notre école commence un petit peu à ressembler à une vraie école en vrai, hein, honnêtement. La cafétéria est peut-être un peu grosse, je vous l'accorde. En même temps, j'ai de la zone pour construire ici, hein. J'ai tellement de maps. Donc non, je pourrais même faire un... Même ce mur-là, je pourrais même le casser, tu sais quoi? Ce mur-là, je vais le casser même. Ouais. Oh, je vais mettre des doubles portes. Mais oui, voilà. Tac, comme ça, je vais construire l'infirmerie de ce côté-ci. Je pense que ça va être pas mal. Ouais, donc je pense que l'infirmerie, on va la construire par là du coup. Tac, alors on va essayer de faire une zone genre... c'est, ouais, on a une grosse map, donc là on s'est cantonné qu'à ça, mais en fait on a largement de la place, hein, j'avais même pas vu finalement. Alors on va aller dans... Non, déjà des murs, on va se faire des murs. Des murs en pierre on va faire cette fois-ci. Pour faire un truc un peu plus ancien. Comme si c'était... on va faire une... Partir de là peut-être. Ou après une infirmerie c'est pas énorme, hein, une infirmerie c'est pas gros normalement. On va faire ça comme ça je pense. Comme ça. Comme ça je pense, ouais. Ça fait une prolongation. Avec ça je vais mettre un sol. Alors un nouveau sol, un truc un peu plus cool. Alors sol en pierre, voilà, en bonne médiévaleux. Voilà, ça va faire beaucoup de pierre par contre. Non, non, on va mettre un sol en bois. Un plancher, voilà, un plancher en bois, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que là on est bon, honnêtement, je pense qu'on est bon. Ah, manque de connaissances, recherche terminée. Ah oui, il faut aussi qu'on fasse une bibliothèque, j'avais complètement oublié sa bibliothèque. La bibliothèque, on va la faire aussi par là, je pense. La bibliothèque, on va la faire par où? Alors, je pense que je vais casser les murs. Ouais, je pense qu'on va le faire. On va casser. Alors, je vais dans construire mur, démolir. Voilà, je pense que je vais casser les murs là. Voilà, je pense que ça va déjà être pas mal. Et ensuite, je vais faire un sol pour les emmener jusqu'à l'autre côté. Là, ça sera l'aile principale avec les salles de classe. Ouais, je pense que finalement j'ai mal organisé mon école, je viens de me rendre compte. Bon, ça c'est pas grave. On va se débrouiller quand même, c'est pas un souci. Donc toi, vas-y, continue à bosser là. Les gars, pas de problème. Zone, peut-être déjà on va commencer à faire la bibliothèque. Ouais, on va commencer par faire la bibliothèque déjà. Construire bibliothèque. Alors, zone. Bibliothèque, y a pas une... Non, bah tous peut-être. Bibliothèque, voilà, ça sera une... Non, ça c'est infirmerie! Oh bah écoute, on va mettre la bibliothèque là, voilà. C'était trop gros pour une infirmerie, je pense, donc on va commencer à mettre ça là. Construire, objet, infirmerie... Non, c'est pas infirmerie, c'était bibliothèque, donc c'est dans les B. Alors des fois c'est... Ah oui, ça commence par un, ok. C'est bizarre des fois, leur façon de voir le truc. Étagère à livres, on va en mettre quelques-unes, je pense. Ça me coûte 1000. Normalement, je devrais en mettre qu'une seule pourrait me suffire, mais une bibliothèque pour moi, t'as plusieurs, donc je vais en mettre plusieurs. J'ai joué un peu RP quand même. Pas totalement, mais un peu quand même, j'essaye. Table. Table, 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 table. Il nous faut une table, donc on va en mettre là, je pense, pour que les étudiants puissent lire. On va mettre des chaises. Tac. Ça me coûte très cher, hein, la bibliothèque, là, honnêtement, mais bon, c'est pas grave. Et après il me faut un tableau noir, il faut que ce soit intérieur. Donc un tableau noir, je vais le mettre collé contre le mur.
Si besoin est, ils pourront y aller. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est une belle bibliothèque, je pense qu'on est en train de leur faire là. Je pense qu'ils devraient être contents déjà avec ça. Donc là, la construction va aller beaucoup plus lentement parce qu'on était 5 et on a plus que 2 bonhommes maintenant pour construire. Mais c'est les restrictions budgétaires aussi, c'est très cher. On fait déjà ce qu'on peut. Merde aussi, hein. Voilà, je vous le dis là, ça me fâche l'histoire. Ok, donc ça c'est parfait. On a une belle bibliothèque. Honnêtement, je suis content de la bibliothèque, quoi. Je trouve qu'on a une bibliothèque avec des murs anciens et tout, ça fait un peu... Moi déjà, je voudrais peut-être aussi que je fasse un... Alors je vais peut-être faire une vidéo. Alors je dis bien peut-être parce que pour l'instant c'est pas prévu. Mais ça me prend l'idée comme ça là. J'aurais bien envie de faire, essayer de recréer une espèce de Poudlard. Alors en mode sandbox, hein, pour pas avoir de... Pour avoir les fonds illimités. Mais une espèce de Poudlard, ça pourrait être fun. Refaire Harry Potter en jeu, ça pourrait être cool, je pense. Pour les fans. Puis demain, on va la rechercher, je sais qu'on va en avoir besoin aussi. Donc ça pourrait être très cool. Donc l'année prochaine, on va augmenter les admissions, hein, parce que là, ça coûte trop cher, et on en galère de ouf, donc ça, on va augmenter les admissions, je pense. L'année prochaine, on va avoir le plus d'étudiants possible. Plus on en a, plus ça nous rapporte, donc forcément, on va essayer. Pistoval, ça s'est fait. Alors allez-y, les gars, construisez la bibliothèque. Non mais les gars, vous avez rien à faire ici, pour l'instant, c'est en travaux. Bon, mes ouvriers prennent un peu de temps, mais c'est en travaux. Là, ils sont en train de faire... Pourquoi le sol est bleu? J'ai pas demandé un sol bleu, moi. J'ai demandé un sol en bois. Deux étudiants sont absents pour cause de maladie. Oui, bah écoute, ça c'est le problème du principal, hein, pas le mien. Hein. Voilà, donc là, ça c'est bon, c'est en train de se construire petit à petit. Par contre, le sol est bleu, alors qu'on avait mis, on est d'accord que dans construire, sol, il n'est pas bleu, hein. Il est des couleurs bois, quoi. Alors je pense que, attends, après, est-ce que c'est pas parce que justement la salle n'est pas entièrement construite ou à cause de la couleur de la zone, je ne sais pas. On va voir ça de toute façon. Allez les gars, courage, je sais que vous êtes que deux, vous avez une bibliothèque à faire à deux. Je pense que c'est bon, hein. Il est déjà 10h du matin. Franchement, ils avancent bien. Je trouve que pour deux, déjà, ils se débrouillent plutôt pas mal. Au final, je me dis que j'ai perdu vachement d'argent pour rien. Ok, donc là, on a intérêt à vite valider la quête parce qu'on est plus qu'à 1800. Donc avec un, je vais prendre un prêt parce que j'ai peur que s'ils finissent pas le... Je prends un prêt. Parce que s'ils finissent pas le à temps, sachant que j'ai perdu 2000$ à la fin de la journée... voilà, ça me fait un peu peur qu'on a eu un prêt d'urgence de 10 000$, mais ça arrivera pas tout le temps, quoi. Donc, bon. Allez, les gars, construisez ça. Faites-nous une belle bibliothèque. Un truc un peu classe. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ils vont nous faire les tables, maintenant. Et petit à petit, ça va ressembler à quelque chose, hein. Je suis désolé, mais petit à petit, ça va vraiment être classe, hein. Oh non, me dis pas, ils sont partis manger. Vous auriez pu finir. Ouais, quoi, comme temps, il est déjà 1h, les pauvres. Je les plains. Alors par contre, mais je sais pas ce que font mes concierges. Peut-être virer trop, je pense, parce que là, l'école commence à être dégueulasse. Mais c'est pas grave, hein, moi je m'en fiche. Hein. Voilà, après tout, c'est un peu... C'est la restriction budgétaire, ça devient trop cher, donc on fait ce qu'on peut. Allez. Ah, il manque le tableau noir. Pourquoi ils repartent? Pourquoi ils repartent? Ils vont faire pipi. Mais allez pas dans les toilettes des femmes! C'est deux mecs que j'ai en plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, faut vraiment des toilettes, effectivement. Des toilettes pour le personnel. Parce qu'il y a un moment, j'avais une plainte d'une étudiante, moi. Pour être finir en cabane à cause de... Ok, donc là, on a une subvention. Parfait. Ça, c'est cool. Santé scolaire, l'infirmerie plus tard. Une piste. Si tu veux qu'on se construise une piste, ça n'a pas de problème. Alors, construire piste, comment on fait, par contre? C'est une bonne question. D'en construire, je vois même pas trop où tous. Là, tous les planchers. Oh, ce plancher Versailles, ça c'est pour les réchauds. On va mettre un petit peu de déco. On va en mettre quelques décos, histoire de faire un peu plus joli, genre ici. Une allée, genre des cocotiers, tout là, exactement. Alors, je peux pas les tourner, ceux-là. Bon, c'est pas grave, on va mettre une allée, ça me coûte 800, ça me coûte très cher, mais... Je voudrais que quand ils rentrent, ils aient une allée de cocotier. Voilà, parfait. Donc là, ça est stylé. Ça va coûter 800, donc 2 x 8, 16, donc 1600. Mais c'est pas grave, voilà, ça m'a fait kiffer de leur mettre ça. Ils seront peut-être contents avec ça au moins. C'est ce que je me dis. Alors par contre, tu veux que je construise une piste? Alors comment on fait, toi? Préparer, créer une zone de piste. Ah bah voilà, une zone de piste, c'est parfait. Alors, c'est dans quoi? Y a pas une pièce spéciale, peut-être? Piste, ok.
Et ça prend. C'est grand ou pas, ça, une zone de piste? Bon, on va la mettre à côté de l'école, voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, les gars, foncez. Il faut une piste ovale maintenant, il faut que je construise. Ok, donc objet. Je crois que piste, c'était tout en bas, je crois. Ouais, piste, ça, j'avais vu. Voilà, je l'avais vu, donc il n'y a pas de problème. Des bancs de sport, on va en mettre deux là. Ok. Une piste ovale. Ah oui, d'accord. Donc ma zone est clairement trop petite, hein. Ma zone est clairement beaucoup trop petite. Ok. On va mettre la piste ovale là. Zone, on va ta supprimer. On va tout supprimer. Ok, donc la zone était clairement beaucoup trop petite. Ok. Donc j'ai bien fait de mettre la. Ok, donc piste, on va mettre ça. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Alors on va être dans objet piste. Toi, on va te démanteler. Alors oui, c'est comme ça. Et comme ça, je voudrais que ce soit du coup qui regarde la piste. Tu vois, un truc un peu RP. Qui regarde les gens courir, ceux qui ont une dispense de sport. Parce qu'il y en a des petits malins qui ont une dispense de sport là. Des gens qui me regardent, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont une dispense de sport et qui me regardent. Juste parce qu'ils ont la flemme. Et j'en jette pas la pierre parce que j'étais le premier à le faire à l'école. Donc bon. On a un point commun, moi. Ça m'a coûté extrêmement cher, moi, cette histoire. Ça m'a coûté extrêmement cher, mais bon. C'est pas grave. Donc là, les ouvriers, ils viennent de faire à peine une bibliothèque. Ils vont devoir repartir sur autre chose. Hein. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai. Donc c'est clair. En fait, c'est carrément en dehors de l'école, quoi. Moi, je me souviens que j'allais dans un stade à côté de mon école. Hein. Enfin, à côté façon de parler. Hein. Donc, bon. Donc là, ils sont à fond d'abord sur les cocotiers. J'aurais peut-être pas dû. Je me dis finalement, ça va coûter très cher juste pour rien. Juste pour le fun. Bon bah écoutez, je pense que du coup on va peut-être s'arrêter là pour cet épisode. Je vais en faire, je pense, un troisième. Merci d'avoir regardé et je vous dis à plus tard. Ciao ciao!